Dans le quintet de mardi, je vais présenter Attention Adventure, qui, dans la course de référence et pour sa rentrée, s'est classé excellent troisième. Je dois dire qu'il m'a surpris ce jour-là, en se comportant encore mieux que ce que j'espérais. À contresens, il a plutôt mal couru pour sa deuxième course au Croisé La Roche, mais dans un terrain qui, à mon avis, était pas assez souple. J'avais pas voulu lui mettre les œillères australiennes parce que ça le tend beaucoup et je peux pas le faire à chaque fois. Il a clairement déçu, mais il est très bien rentré de cette course. Il fait face dans celle-ci à son objectif de l'automne, puisque tout le monde sait qu'il aime particulièrement bien Saint-Cloud et le terrain lourd. Plus il pleuvra, mieux ce sera. Voilà, il va tenter de se réhabiliter de sa dernière course et pourquoi pas de s'imposer. En tout cas, c'est sa bonne course de l'automne et on compte sur lui malgré son grand âge et son caractère qui n'est pas de tous les jours.